On pourrait revenir sur, sur le rôle des femmes quand même euh, en anthropologie parce que ça me paraît quand même très intéressant euh, parce qu'il y a une différence entre les, les, les femmes euh, euh, qui ont travaillé sur les sociétés exotiques et les femmes qui ont travaillé sur les sociétés euh, complexes ou sur leurs propres sociétés parce que l'anthropologie bon, c'est une science Nouvelle, c'est un peu la dernière des sciences humaines qui a été euh, inventée en quelque sorte. Et il y a toujours eu des femmes, dès le départ. Il y a eu des grandes femmes en anthropologie, Margaret Mead, euh, euh, Rose Benedict, enfin bon, euh, euh, etc. Donc il y a toujours eu des femmes. Donc, ce n'est pas une société comme. Alors qu'il n'y a pas de grandes historiennes, en quelque sorte, qui est une des, des très anciennes euh, sciences humaines. Eh bien, dès le départ, les, les, les femmes ont eu leur place, mais elles ont eu leur place dans les sociétés exotiques. Et, euh, et quand elles ont travaillé souvent dans les sociétés exotiques, elles ont travaillé sur certains sujets aussi. Sur des sujets, on leur dit. Enfin, je, je, dans un livre qu'a écrit Marianne Lemaine justement sur les femmes en anthropologie, les, sur Denise Paul en particulier, Mauss dit à Denise Paul, qui parle sur le terrain, Vous travaillez sur les femmes, vous travaillez sur les enfants. Donc c'était, si vous voulez, on leur, si elles venaient sur le terrain, on leur attribuait déjà des thèmes euh, et, et des thèmes euh, propres au féminin euh, la cuisine, la maison, le. le, le L'intime en quelque sorte, l'élevage des enfants et tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis en exergue euh, le, cette phrase de Lévi-Strauss que vous avez peut-être remarqué qui dit euh, Oui, moi je ne suis pas tellement euh, un homme de terrain, fin de compte. Le, le travail de terrain c'est trop. c'est un peu trop méticuleux pour moi. Euh, euh, c'est... C'est pour ça que les femmes y réussissent si bien. <laughs> oui, C'est ça, c'est-à-dire que les femmes, elles ont ce côté euh, d'être méticuleuses, euh, elles vont dans le détail, et elles sont capables de s'attacher à relever euh, tout un ensemble de, de, de recettes, de détails, de points, de... de D'ancrage de, de la société, les hommes, eux, ils sont toujours beaucoup plus euh, prêts à euh, fonder de grandes analyses, à poursuivre des théories et donc à accumuler euh, euh, des aspects beaucoup plus euh, variés et, et grandioses de la société. Les femmes, elles, elles vont s'intéresser euh, à l'intime, au secret, au, au quotidien en quelque sorte. Et et c'est cette, euh, cette particularité féminine que euh, on a toujours donnée aux femmes, etc. Et quand euh, c'est pourquoi, si vous voulez, dans, dans, néanmoins, sur les sociétés européennes, il y avait l'anthropologie sociale, enfin l'ethnologie n'a pas eu droit de citer tout de suite, ce qui euh, Existait pour étudier ces sociétés, c'était les folkloristes. C'était euh, c'était donc des, des, des chercheurs qui s'intéressaient d'abord à euh, retenir ce que le euh, passé euh, permettait encore de, de, de. exister encore sur le terrain en quelque sorte, et, et de retenir auprès des. Euh, des interlocuteurs âgés ou dans des, des groupes euh, sociaux qui avaient connu euh, un certain nombre de rituels euh, passés, d'essayer de, de, de retenir en quelque sorte comment on vivait autrefois euh, dans ces groupes euh, ruraux de l'Europe de euh, euh, continentale. Et, et quand... Euh, donc c'est pour ça que dès le départ, si vous voulez, qui, en quelque sorte, qui a fondé l'anthropologie des de sociétés du proche de, de, de la france, ce sont des femmes. parce que c'est les seules qui acceptaient euh, de, de se lancer dans ce travail sur ces sociétés, mais avec les outils de, euh, classiques de l'anthropologie. Et c'est comme ça qu'on a travaillé à, à Mino. Mais il faut bien vous dire que, effectivement, euh, sur, euh, quand euh, j'ai été au laboratoire, enfin au, au début, quand on a commencé à travailler au laboratoire euh, sur ce sujet, d'abord, euh, il n'y avait que des exotisants. Et euh, nous, si on nous y étions, c'était dans le dans le sillage de Kiva. Il va. faut dire aussi que Lévi-Strauss a toujours considéré qu'on pouvait travailler dans sa propre société, mais qu'il fallait le faire comme des anthropologues classiques, traditionnels en quelque sorte. Et euh, il est évident qu'il euh, y, y a quand même quelque chose de plus valorisant à partir dans les pays lointains, à, dans des missions, des grandes enquêtes, etc., sur, sur le terrain lointain que euh, d'aller euh, dans, dans, euh, de travailler sur la france. et donc euh, personne n'y allait. et quand... Euh, euh, Lévi-Strauss a dit qu'il avait, euh, dans la RCP Châtillonnais, demandé à ce que le laboratoire d'anthropologie sociale euh, puisse avoir euh, euh, une partie, une part, et euh, qu'il a dit, dit qu ferait, qu que le laboratoire ferait une monographie de village. Eh bien, euh, il, il a dit à qui va s'en occuper, je, je, je vous l'ai déjà euh, dit, mais. Aucun exotisant n'était prêt à, à, à poursuivre ce, ce type de travail. Et c'est pour ça que euh, les seules personnes qui, qui l'ont euh, accepté, euh, ce sont effectivement des femmes. Pourquoi, alors que j'ai commencé à faire euh, mon travail de thèse euh, au Sénégal, j'avais donc... Euh, pris le même chemin que que mes mes collègues hommes néanmoins j'étais rentrée j'avais soutenu ma thèse et je devais euh, j'étais mariée et ça m'était très difficile de repartir parce que les terrains à l'époque étaient longs et quand on partait sur le terrain on partait un mois deux mois trois mois sinon plus et souvent d'ailleurs vous connaissez beaucoup de couples d'anthropologues qui travaillaient sur des terrains conjoints ou sur les mêmes terrains, etc. C'était très couru dans, 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 dans notre profession. Mais malheureusement, j'avais épousé quelqu'un qui n'était <laughs> absolument pas anthropologue, qui était dans les, la sphère médicale et qui euh, n'entendait pas partir avec moi du tout. Et donc, euh, j'ai eu en plus... Euh, j'ai eu des enfants et je ne pensais pas pouvoir ni laisser mes enfants ni mon mari donc j'ai décidé que puisqu'on m'offrait cette opportunité d'aller travailler euh, en anthropologue euh, sur la France pourquoi pas y aller et c'est comme ça que euh, on a commencé à travailler euh, sur Mino mais si vous vous souvenez bien toutes les, grandes les premières enquêtes sur la France d'anthropologues, elles ont été menées par des femmes, que ce soit Jeanne favre et sahada sur les, la sorcellerie en Mayenne, et qui était donc au laboratoire euh, de Nanterre, ou euh, sur d'autres, euh, Colette Pétonnet sur euh, la, soci la sociologie urbaine aussi. C'était euh, des femmes qui faisaient ces travaux d'anthropologues sur notre propre société, mais sur les femmes. Et, et c'est d'ailleurs, euh, je, je, je me souviens encore que euh, dans, dans notre propre laboratoire, nous avons été un peu euh, considérés d'une façon un peu, disons, un peu désinvolte, un peu dévalorisante en quelque sorte. Parce que nous, voilà, on travaillait, on n'avait pas cette aura avait quand même l'anthropologie des sociétés lointaines, euh, et exotiques, euh, où, où, il fallait, où il fallait prendre son temps. Et, euh, enfin, regardez, nous aussi, on a pris notre temps, puisqu'on a travaillé pendant huit ans sur Mino, donc c'est quand même, on a pris aussi notre temps, mais pas de la même façon que nos collègues anthropologues de, 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 dans, dans ces lointains. Et surtout, effectivement, ce... L'anthropologie s'est fondée sur quoi Sur aussi la, la différence, sur l'altérité entre ceux que vous étudiez et vous-même. Si, si vous voyez tellement de choses, et Lévi Strauss l'a bien dit dans ses travaux, si vous voyez tellement de choses ailleurs, c'est que pour vous, cela vous étonne, que pour vous, cela euh, vous, euh, euh, vous paraît tout à fait particulier, donc vous pouvez le remarquer. Et vous pouvez essayer de, 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 de l'analyser, de le théoriser d'une autre façon et de le faire comprendre ensuite en revenant euh, dans votre propre société. Nous, effectivement, travailler sur un village français, euh, c'est euh, retourner à, à ses propres racines, en quelque sorte, pour beaucoup d'entre nous, pas pour moi. Et d'ailleurs, quand on a commencé à travailler sur Mino, je me souviens au premier séminaire que j'ai fait chez Lévi-Strauss pour présenter Mino, et où je présentais donc euh, la façon dont euh, les gens de Mino avaient organisé le village, et comment c'était, et pourquoi, et sur quoi ils travaillaient, et, et leurs costumes, leurs coutumes euh, qu'ils avaient gardées encore de, de l'autrefois. Enfin, bon, mais aussi de ce qu'il faisait quotidiennement. Je me, trouve, je me souviens très bien que Marielle Jean-Brune de Lamarre, qui quand même était une des grandes dames aussi de, du musée des arts et traditions populaires, mais qui travaillait, elle, en folkloriste, c'est-à-dire sur ce que ces sociétés avaient gardé de leur passé et qu'elles voulaient reconstituer. Nous on n'a jamais essayé de reconstituer à, à Minos ce qui s'était passé autrefois. Ce qu'on voulait savoir, c'était ce qui se passait aujourd'hui. Et, euh, et donc euh, quand on a et essayer de, de, de montrer comment les, les, les gens de Minot éduquaient les enfants, par exemple, et de quelle façon ils éduquaient les enfants euh, dans les différents. Euh, selon qu'ils étaient euh, euh, des paysans agricoles ou qu'ils étaient des artisans ou qu'ils étaient au contraire les, les notabilités du village, etc. Eh bien, Marielle Brune de Lamarre, elle s'est approchée de moi et elle m'a dit Dites-moi, ça se voit que vous n'avez pas été élevé à la campagne. Hein. Évidemment, effectivement, vu mes origines sociales, euh, je n'ai jamais été élevé à la campagne. J'étais élevé à la ville toujours et pour moi, euh, effectivement, la campagne était très exotique. Et, et c'est peut-être pour ça. Que j'ai pu voir tout ce que, ce que j'ai vu, mais pas, pas seulement moi, puisque aussi bien euh, Tina Jolas euh, que, que Yvonne Verdier ou Marie-Claude euh, avons vu ces choses-là. Je pense que c'est beaucoup plus notre formation d'anthropologue qui nous a permis de comprendre que c'était là euh, qui se passait euh, un certain nombre de choses. Et... Mais ça a pris du temps, ne serait-ce que même que pour persuader nos collègues euh, exotisants. Que nous aussi, euh, on travaillait comme eux. Même si euh, on ne partait pas longtemps, que même si euh, euh, on n'avait pas des longs voyages à faire et qu'on n'avait pas besoin d'aller acheter de la verroterie comme eux, euh, etc., eh bien, euh, on avait aussi des, des, des choses à, à dire et à faire et qu'on devait, euh, par exemple, euh, faire tirer les photos qu'on leur prenait, leur rendre aussi enfin, tout un ensemble de, de, de gestes qu'on devait prendre euh, à, avec eux pour euh, essayer de, de tisser des liens euh, extrêmement forts pour qu'ils puissent nous parler, qu'ils aient envie de nous parler de leur intimité, de leur, euh, de, de, de leur famille, de leurs travaux, etc. Mais ça a pris du temps et euh, je crois que c'est... Marc Abelès, qui a écrit, quand il, il raconte dans un, un article, il raconte ses débuts au laboratoire d'anthropologie sociale, et dit, euh, quand je suis arrivé au laboratoire, les, les grandes euh, recherches étaient menées par des hommes, Godelier, Isard, Clastre etc. Et euh, les travaux sur... Euh, sur l'Europe et sur la France était laissée aux femmes, d'où euh, dont l'équipe les, les, mino etc. c'était c'est comme ça que euh, et qu'on était un peu traité disons euh, non pas euh, mais d'une façon un peu condescendante et, et c'est pour ça que d'ailleurs euh, euh, quand nous sommes rentrés de Mino et qu'on discutait avec nos collègues, on leur a dit Vous savez, à Mino, ils nous appellent les dames de Paris. Et euh, donc, euh, au laboratoire, nous avons été tout de suite les dames de Mino. Et euh, j'ai compris. Plus tard, en réfléchissant, qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu péjoratif avec les dames. Nous étions les dames de minos, c'est-à-dire qu'au fond, nous étions un peu, nous faisions une, une ethnologie de salon. Nous étions, on ne faisait pas vraiment de, de la grande ethnologie que, comme eux. Donc, il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de patience aussi, pour qu'ils nous admettent euh, parmi eux, parmi, euh, de, de nous traiter en quelque sorte à la même aune que, que les autres anthropologues. Et bon, euh, aujourd'hui, de par ces travaux qu'on a faits et d'autres, bien sûr, pas uniquement euh, ceux sur Mino, sur la Hague, mais bien d'autres travaux faits dans d'autres groupes euh, et, et laboratoires, eh bien, effectivement, on a fini par admettre que euh, l'anthropologie des sociétés complexes, l'anthropologie du proche, donc souvent parce que nous sommes originaires de, 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 de ces sociétés, et eh bien euh, avaient droit de citer aussi bien que l'anthropologie des, des lointains. Et, et donc c'est effectivement peut-être cette place que ont eue les, les, les femmes dans cette euh, mise en place de l'anthropologie de la France, qu'il faut quand même remarquer encore. Est-ce que ça a coloré Est-ce que ça a donné euh, sens à, à ces travaux Je pense, en, en tous les cas, pour ma part, j'ai toujours euh, eu le sentiment que je, le, le, le fait d'être femme sur le terrain, euh, bon, c'est, il faut en tenir compte, et que ce n'est pas indifférent. Euh, et même ce qui est quand même important aussi, c'est l'allure qu'on a aussi sur le terrain, comment on est habillé, et puis aussi le genre a, enfin le genre, non pas en tant que homme ou femme, mais le genre, c'est-à-dire d'être blonde, d'être, d'être, le nom qu'on porte aussi a eu un, une importance. Et toute cette cette façon donc d'être sur le terrain, je pense, joue. Dans les informations que l'on va recueillir. Et je crois que c'est quand même très important d'être constamment sensible à cette position qu'on a sur le terrain. Le fait de. Je, 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 je me suis rendu compte que, par exemple, quand je travaillais à La Hague, le fait de m'appeler Zona Ben, d'être blonde, d'avoir les yeux clairs, allait ou m'ouvrir un certain nombre de, de portes et de, de commentaires, de, de, de confidences en quelque sorte, parce qu'on pensait que j'étais d'origine allemande, que j'avais un côté allemand, parce que j'avais bon, un petit côté viking. Et pourquoi je me suis dit, mais pourquoi Et je me suis rendu compte que sur le terrain, il y avait une, un renouveau de l'identité viking parce que la, la Normandie quand même a été euh, conquise, il euh, ne faut pas l'oublier, euh, par les Normands. Les Normands, c'est des Vikings, n'est-ce pas Bien connu. Euh, et qu'au travers toute un, une mise en place d'un nationalisme qui est régional, qui était régional à l'époque et qui malheureusement revient aujourd'hui à un niveau national, et bien qu'à cette époque, le fait que... J'ai cette allure-là. Euh, l'archiviste de, de, de Saint-Lô, qui, qui est l'archiviste que j'avais été voir pour savoir comment, euh, où aller, etc., m'a dit Mais vous inquiétez pas, on vous parlera à vous parce que vous êtes blonde. Et je me suis dit Mais pourquoi ils vont me parler parce que je suis blonde Et, et simplement après, on m'a dit Mais vous savez, Zona Ben, ne dites pas non plus, oui, dites bien que c'est allemand, surtout ne dites pas que vous êtes d'origine juive, parce que là, ils n'aimeraient pas. Donc vous voyez comment constamment mes origines sociales, mon allure, mon, euh, me, me sont revenues dans mes, mes travaux, mais les ont irriguées aussi. Ils m'ont fait comprendre tout un tas de choses. Peut-être que si j'avais pas eu cette, cette allure-là, peut-être que si j'avais pas aussi travaillé de cette façon-là, aussi près des gens, peut-être que j'aurais pas compris euh, toute cette idéologie de la race qui, qui étaient importantes en Normandie et qui m'ont permis justement de, de prendre en compte cette, ces idéologies, bon, comment est-ce qu'ils euh, perçoivent leur parenté justement, comment ils vont être beaucoup plus euh, attentifs à leur parenté consanguine que par leur parenté par alliance. Donc vous voyez comment de fil en aiguille, c'est peut-être très tortueux un peu tout ce que je dis, mais c'est quand même très particulier de, de, de bien voir que cette, euh, cette façon dont, dont on se présente sur un terrain, dont on s'appelle, auquel je n'avais pas pensé, effectivement, eh bien tout ça vous revient en boomerang et euh, vous permet de, de comprendre tout un tas de... De, de présupposer de, et d'arrière fond euh, que euh, je n'aurais jamais sans doute peut-être soupçonné euh, si j'avais pas été attentive à cette façon là et même quand j'ai travaillé sur le nucléaire par exemple le fait d'être une femme alors que c'est une une industrie disons très virile en quelque sorte qui est et mais justement, le fait d'être une femme m'a fait comprendre que pourquoi ils avaient besoin de faire tellement euh, euh, appel à leur virilité pour pouvoir la supporter. Et donc comment les femmes, parce qu'il y a quelques femmes qui travaillent quand même dans les usines nucléaires, et ça existe, et eh bien comment elles, elles vont réagir. Et donc c'est au travers justement de cette perception... De, 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 de différencier entre euh, le fait d'être euh, une femme sur le terrain et de, de travailler euh, en anthropologue, euh, voilà, vous permet de, de pénétrer un certain nombre d'aspects que, que peut-être je, je n'aurais pas soupçonné euh, si je n'avais pas été attentive à, à ces aspects-là. Mais c'est... C'est vrai que j'en ai beaucoup supporté euh, et, et peut-être que effectivement euh, c'est quand même une grande douleur une grande richesse mais une grande richesse réflexive et qu'il faut constamment euh, se, se réapproprier euh, ce qui se passe sur le terrain et c'est pas toujours facile parce que euh, parce qu'il y a une, bon, une envie peut-être de, de raconter tout simplement les choses et de ne pas être pris en, en compte en quelque sorte. Mais non, on est partie prenante du terrain que l'on fait.